Bonjour, heureux de vous retrouver pour votre émission Au bonheur de l'Acre. Aujourd'hui, je vous propose une balade musicale dans l'univers du classique et de la variété avec Camille Privat. Camille Privat a su intégrer dès son plus jeune âge toutes les sonorités musicales de l'instrument. Elle a remporté différents concours internationaux, dont le titre suprême en 2004, celui de championne du monde de l'accordéon. Elle est venue en compagnie de son complice Nicolas Lebray pour un magnifique duo. De plus, au cours de cette émission, je vais vous donner le résultat du trophée mondial de l'accordéon qui s'est déroulé il y a quelques semaines en Italie. Mais pour l'instant, on retrouve notre championne Camille Privat. On retrouve notre invitée Camille Privat sur ce plateau du cabaret Le Pâtisse au Mans. Alors, Privat, c'est un nom connu dans le monde de la musique, de l'accordéon, mais surtout aucun lien de parenté. Non, 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 malheureusement. Même s'il a porté notre regret des shows Privat, des sonorités très modernes à l'époque pour l'accordéon. Alors toi, ton univers. Alors mon univers, il est assez large, il va de la musique musette à la musique contemporaine, en passant par la variété et la musique classique. Qu'est-ce que tu aimes dans ce répertoire classique ?
J'aime beaucoup les pièces soviétiques écrites par Semyonov, Zolotarev, et j'aime aussi adapter des pièces écrites pour piano ou pour orgue à mon instrument. Alors, et cette rencontre avec l'instrument, elle a eu lieu quand, comment et pourquoi cet amour de D'accord. l'instrument? Je suis auvergnate, donc c'est vrai que forcément j'ai été bercée dans cet instrument. Et voilà, très jeune, mes parents m'ont proposé de commencer à prendre des cours. Et voilà, de fil en aiguille, c'est devenu vraiment une passion et mon métier. Et tu as suivi des cours dans un centre de renommée internationale, Oui, tout à fait. qui est donc le CNIMA, Oui. hein, le Centre national et international de la musique et de l'accordéon, Oui. un centre qui t'a forgé en termes de caractère musical. Oui, c'est vrai. Avec le créateur de ce centre, Jacques Mornay, qui m'a beaucoup fait travailler, la directrice actuelle, Nathalie Bouchex, et puis des artistes comme Domi et Maureen, Roman Djbanov, Aurélien Noël, Nicolas Massoutier, voilà, qui m'ont fait travailler, fait évoluer dans ce milieu-là, quoi. Dans ce milieu, quel souvenir que tu as de ce passage, de cette présence dans ce centre? Beaucoup de concours, donc beaucoup de voyages, voilà, beaucoup de rencontres. Donc beaucoup de rencontres, beaucoup de complicité. Oui. Et on va écouter un duo avec ton complice, hein, Oui. Nicolas Lebray. Alors, il est originaire de Brest. Et Voilà. c'est vrai qu'il a un univers très différent puisqu'il passe, je dirais, du musette, du classique, mais en passant par le rock. Voilà, c'est ça. On n'est pas dans la même sphère, Oui, mais il y a la mais fusion. voilà, Il on y a s'est la... rencontrés comme ça quand même à travers l'accordéon. Et on arrive à être complémentaires finalement. Et Donc, très complémentaire, ouais. la preuve, avec ce morceau que vous avez choisi, les feuilles. Les feuilles mortes. Les feuilles mortes. Allez, on écoute. Thank you.
très très belle complicité. Merci. Hein, entre vous deux. Alors, il a participé à un grand festival, un grand rendez-vous annuel. Tout à fait, au Festival des Nuits de Nacre avec son groupe donc Rue de la Soif, qui est un groupe rock qui a vendu énormément d'albums à une époque et qui s'est reconstruit, voilà, avec Nicolas par exemple, qui les a rejoints à l'accordéon et qui est en pleine évolution dans ce groupe. Voilà. Alors, retour sur toi avec, quelques points de repère dans ta carrière. Alors, tu as remporté un certain nombre de prix. Oui. Hein, le premier prix à 13 ans. Oui, c'est ça. Hein, c'était le prix du concours de la ville de Paris. Voilà, hein, c'est parrainé ça. Parrainé par Marcel Azola. Tout à fait. Et puis, en 2004, le titre suprême. Voilà. Hein, le trophée mondial, de l'accordéon. Et puis, la même année, tu finis deuxième à la Coupe mondiale. Oui, c'est ça. Alors, les concours. On dit souvent que pour un artiste, dans l'artiste concertiste ou variété, c'est un passage obligé. Est-ce que c'est vrai ? C'est vrai peut-être dans l'accordéon où c'est, les gens peut-être ne connaissent pas assez le répertoire qu'on peut jouer avec cet instrument-là. Et c'est vrai que les concours nous permettent, nous, accordéonistes, de se retrouver chaque année, C'est le cadre aussi de concerts, de festivals, et ça nous permet d'évoluer et de faire de se créer une place dans la musique, quoi, autre donc, que le musette, quoi. Donc, en fait, c'est un plus pour une carrière. Voilà, c'est ça, oui. Ouais. Alors, est-ce que c'est quand même plus difficile de jouer devant un jury que devant un public dans un concert ? C'est plus stressant. C'est vrai que les concours, c'est tellement, il faut tellement que ça soit parfait, qu'on est vraiment dans zéro faute. Alors qu'avec un public, voilà, on peut se permettre des choses. Il y aura peut-être on sera plus dans la séduction du public, et il y aura peut-être quelques erreurs, mais elles vont passer très bien parce c'est le cadre qui veut ça, quoi. Alors là, on te retrouve avec un autre morceau, l'univers classique. Oui, tout à fait. Qui s'intitule ? Alors, c'est la Rhapsodie de Semyonov, c'est le troisième mouvement. Eh bien, on écoute. D'accord.
Avec Camille, on parlait des concours il y a quelques instants. Alors, souvenez-vous, en février 2010, on avait reçu un jeune Macédonien de passage en France, Alexandre Koloski. Et je vous avais déjà dit qu'il était très prometteur. Je l'avais vraiment trouvé très prometteur dans son style musical. Eh bien, il y a quelques semaines, il a remporté le trophée mondial de l'accordéon. C'était en Italie. Alors, je vous propose de le retrouver dans ce morceau qu'on avait tourné ensemble il y a déjà quelques mois. Mais vous voyez, la preuve que nous sommes en quelque sorte des découvreurs de talent. Quelle finesse dans ce jeu musical, ça doit quand même te rappeler quelques bons souvenirs. Tout à fait, oui. Ah, c'est vraiment l'ambiance des concours. Oui, et puis c'est un très bon musicien, vraiment bravo, bravo à lui pour tous ses prix cette année, il en a gagné pas mal. Il en a gagné pas mal, oui. C'est bien. Eh bien toi, on va te retrouver côté variété. Oui. Hein, avec ce morceau qui s'intitule... Papillon noir de Jo Privat, c'est un arrangement de Nicolas Massoutier. Thank you.
retour avec Camille. Alors, on va voir deux aspects de ta vie professionnelle, la partie enseignement et puis la sortie de ce CD. Alors, l'enseignement, c'est vraiment une passion. Oui, tout à fait. Transmettre tout ce que tu as pu apprendre, acquérir. Voilà, mais j'apprends toujours. D'ailleurs, je prends toujours des cours d'instruments. Voilà, tout à fait, à La Roche-sur-Yon avec Maryse Roux. Et je me perfectionne dans la pédagogie au CFEDEM. Voilà, je suis en train de passer un diplôme d'État que je vais bientôt avoir. Voilà. Alors, tu enseignes à de nombreux élèves ou tu choisis quelques élèves pour permettre en parallèle de... Non, ma classe est ouverte à tout le monde. Je vais avoir 70 élèves en tout. Ah, quand même. Oui, ça commence. Puis certains élèves ont déjà conquéré un certain nombre de titres. Voilà, ça, ils commencent à eux aussi avoir envie de faire un peu le même parcours que moi en allant faire des concours internationaux ou nationaux. Voilà. Tu souhaiterais que l'un de tes élèves devienne champion ou championne du monde? C'est déjà plus ou moins le cas, étant donné que j'ai une élève qui a gagné Castelfidardo. C'est un grand prix, mais c'est pas le trophée mondial ni la coupe, mais... Voilà, j'étais déjà très fière de son résultat. Ah voilà. Voilà, un sentiment de fierté. Oui, tout à fait. C'est du travail. Pour l'enseignant. Alors, le travail, c'est aussi la sortie de ce CD. Oui. Ah. Donc là, on est sur un univers classique. Tout à fait, c'est un choix. C'est un choix musical qui a été très bien... reçu par la presse professionnelle. Oui, je pense. Et puis aussi par le public. Oui, tout à fait. Alors, quels sont les ingrédients nécessaires pour réussir dans un contexte économique de crise au niveau des CD pour réussir cet album? Je pense que sans que ça soit non plus qu'il n'y ait aucun lien dans le CD, il faut quand même qu'il y ait différentes façons de jouer au niveau des styles. Donc là, c'est vrai qu'il y a du Mozart, il y a des pièces originales et des transcriptions. Voilà, c'est pas de mélanger du musette avec la variété du classique, mais d'essayer d'étendre au maximum le style et le répertoire pour que les gens, voilà, y trouvent leur compte, en fait. J'allais dire un cocktail réussi. Je pense. Ah, je pense. J'espère. En tout cas, j'en suis persuadé. La preuve, on va retrouver dans un autre style, alors toujours un classique variété, là, coup de projecteur sur du variété. Hein, avec le dernier titre qu'on écoute, qui est donc une sonate. Thank you.
26 minutes de bonheur musical, ça passe très vite. Alors, j'espère que vous avez pris du plaisir à accueillir donc Camille et Nicolas. Merci à vous. Merci. Pour vraiment ces minutes de bonheur. C'est vrai que cet univers classique, eh bien, on s'en lasse pas. Merci. Voilà. Eh bien, en tout cas, pour tout ce qui concerne la programmation du cabaret Le Pâtis au Mans, le seul vrai cabaret de la région, je vous invite à consulter leur site internet. Pour moi, eh bien, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle balade musicale avec de nombreuses surprises. Mais à très bientôt sur LM TV. Le plaisir d'être ensemble.